Bah, ça me dit rien ce jeu. Me dit rien. Je vais peut-être confondre avec un. Je vais peut-être confondre avec un autre jeu. C'était une japonaise qui se vengeait parce que. Je dois certainement confondre avec un autre jeu. Bah, c'est pas. Je dois, c'est que je comprends. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. L'hélicoptère va venir te chercher. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan. Comme au bon vieux temps. Bonjour, monsieur Yu. Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ça doit être pour vous. Monsieur Yu, je vous en prie, installez-vous. Nous allons décoller. Le complexe de Transtar est tout près d'ici. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. La baie est magnifique, vue d'ici.
Nous sommes arrivés, Monsieur Yu. Faites attention à la vitre en sortant. Bonne chance. Je rêve aussi, Monsieur Yu. Je rêve, vient de dire Monsieur Yu. Bonjour, Docteur Yu. Ah, Yu. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Oh, c'est pas mieux, hein. Yo, yo, c'est pas rien. Bienvenue, Morgan Yu. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Morgan, enfin. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Et ton œil? Toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Bonjour Morgan. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais... croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Passons à la salle B. Très bien, Morgan. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Regardez. Est-ce qu'il se cache derrière la chaise? Une activité synaptique à signaler? Aucune? Non? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite, Morgan. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Bon, nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible, et le plus naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Le rouge ou bleu, ouais, ça va. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Simmons? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test, passons à la salle D. Je croirais jouer à un jeu que je ne sais pas sauter et appuyer sur un bouton. Quelqu'un peut m'apporter du café? Ce serait bien aimable. Merci.
Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Ah. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. C'est du lourd. Bien. Suivante. C'est presque fini. Vous savez quoi? Je ferai sûrement la même chose. Bien, bien, c'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. Salut, ça va, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a un Gundam, moi. Enfin, non, Morgan. Il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Bonjour, Morgan. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Thank you.
Bonjour, Morgan. Il est temps d'avoir une discussion. Mon nom de code est January. Vous ne rêvez pas. Ce qui est arrivé hier est la réalité. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Bague. Salut Omnislash, salut S1 Faka. Oui, bah c'est bien ça, mais. Oui, je suis d'accord, mais. Mais je peux être là. Oui, mais je suis comment pour me barrer de mon appartement? Dirigez-vous vers la sortie. Je reste en contact. Oula! Quoi ça? Typhoon Cacoplasmus. Tout le monde les appelle mimiques. Faites attention à ce que vous touchez. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oula.
Salut, crêpe piano. Je suis quoi, crêpe piano? T'es quoi? Ouais, ça c'est bien ça, mais... Trop quoi? Salut original, trop quoi? Un jeu un petit peu space. Je trouvais que là... Je joue un jeu un petit peu space. Salut crabe. Oula. Synthétiser, je sais pas quoi. Synthétiser, je sais pas quoi. Thank you.
Oula. Morgan, là, dans le hall. Attrapez le nœud remote posé dans la vitrine. Normalement, c'est un faux, mais je l'ai échangé contre un vrai pour vous. Les nœuds remotes sont cruciaux. Vous ne survivrez pas sans utiliser leur aptitude. J'ai déjà chargé la liste que vous avez demandée sur votre transcribe. Jetez-y un œil. De soin. J'ai 37 ans. Je vais semer 38. Merci pour le compliment. Merci pour le compliment. Tiens, il y a pas un truc de soin.
prêt à voir le monde pour la première fois? Mais non, non, non. Votre attention, la direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Il manquait plus que ça qu'on fait aussi. Fais gaffe, il y a peut-être des bêtes. Attends, pour l'instant, je sais pas s'il y a des bêtes, mais... Pour l'instant, faut que j'aille voir une vidéo. Alors, même s'il y a des bêtes... Marron, je peux pas aller là. Je peux pas aller, mais. Et j'ai pas de carte. Je suis comment? Mais non. Aucun matériel alien détecté. Oula.
temps, hein. Salut. Oula. Ah, d'accord, je suis ouvert. Bon. Ah, ma poule. Oui, bah attends, pour l'instant... Pour l'instant, je suis en train... Je suis en train de chercher un... Un moyen de rentrer là-dedans. Bureau de Morgan Wu. Et le truc de Morgan Wu. Bureau de département dès que possible. Email. Ah, attends. Sujet d'expérience. Le code de votre bureau est 0451. Ah merci. C'est moi qui te dis maintenant. 0451. Vous pouvez pas me le dire avant, crétin. N'importe quoi. C'est bon de vous revoir. C'est ici que vous avez vécu les trois dernières années. Devrait se trouver sur votre poste de travail. Bah ouais, mais je peux pas l'avoir le truc, y a pas, j'ai pas le code. Il y a encore des codes. Hello to you. Bah oui, mais il me faut un code. Seigneur Vador, vous m'entendez? Mais bah attends, pour l'instant... Seigneur Vador, vous m'entendez? Oh bébé! Je t'entends pas? Si, si, mais je t'entends, mais moi je vais manger. Ah... Mais si, mais j'entends depuis tout à l'heure, mais... Et je peux pas et t'entendre, et entendre mon jeu. Alors, je suis sur Prey. Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement, si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Et il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leurs schémas neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié.
Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi ? Comment rire ? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Je pensais avoir trouvé toutes ces foutues vidéos. Désolé, mais je ne peux pas te laisser regarder ça. Pas tant que je ne t'aurai pas tout expliqué. Je suis content, il y a un ami qui est venu me voir. Pense, je dois y aller. Un ami d'enfance. S'il te plaît. Plaisir. Pas revu depuis. Parce qu'il y a un an. Je suis navré, Morgan. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser. Je vous suggère de fouiller l'atelier du docteur Calvino, dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Et tu disais que c'est un copain d'enfance est venu te trouver. Il me réveillait. Ah. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de copain d'enfance qui. Qui diffuse comme ça côté de faire emmerder bien et puis hein? Eh oh. Ton copain d'enfance il joue pas à la console? Ah non il a pas le temps. Ah. Comme ça il te laisserait pas faire comme temps. Ça tu te laisserais pas emmerder par des connards. Oula. Après, je suis pas sûr que ça soit pas interprété comme ouais, tu te fais aider, t'es pas. Eh, tu veux dire par ton pote, t'es pas capable de démarrer tout seul, etc. Ah, tout à l'heure j'ai fait un peu de golf d'ailleurs. Bah je suis mauvais. Hein? Tout à l'heure j'ai fait un petit peu de golf. Mais je suis mauvais. Ah. Très mauvais. Vous avez fait du golf, monsieur. Eh. Mais j'en ai fait du golf en... J'en avais fait du golf en... Comment dire en vrai. Sur un terrain de golf avec mon lycée. On en avait fait du golf, mais non, ah non... Entre le faire en vrai et puis le faire sur un terrain... dire que... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose entre le faire en vrai et là, je peux dire que... Rien que de lancer la balle. Rien que ça. Même avec la même avec le bon club avec le même avec le bon enfin le bon truc pour que la balle elle aille elle vole et ben enfin la balle elle soit en l'air je peux te dire que c'est pas simple. Pas simple du tout.
Tu vois, je croyais que Prey, que j'avais... Hein, quoi? Je croyais que Prey, j'avais joué sur la console, mais sur la Xbox, mais non. Je pensais, mais non. Non, j'y ai pas joué. Je pensais, mais non. Ouais. J'ai confondu avec un autre jeu. Grimper. Quoi ça? Mais non. Mais non, je vais boire. Je vais pas si qu'on aille. Tout ça, mais... Pièce détachée. Mais non, je vais boire. Vendredi.
Oula. Mais non. Mais non plus. Et merde. Mais non. Captivant ce jeu alors, Hervé. Dites-moi tout. Ouais, captivant, ouais. Il est captivant à la condition de savoir comment.
Bon. Je reviens, je reste ouais. Là. Un autre moyen d'accès. Bravo. Une grande partie de la technologie à bord de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièces sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à la demande du docteur Calvino. Sinon, t'as vu, il y a plein de jeux en promo là. Ouais. C'est un nerf. Ah,
Allez. Oh. Oula. Il est méchant. Il est mortel. C'est quoi le but là? Entrée dans l'atelier du docteur Cabino. Bon. Bon. Je comprends pas comment ils peuvent mettre que c'est en facile alors que c'est... Je comprends pas comment ils peuvent mettre ça en facile alors que c'est... Alors que c'est tout sauf facile.
bordel. Je me suis coincé à un nerf, Lily. Viens m'aider, au secours. Au secours. Help me. Help me, please. T'es bloqué quoi comme nerf? Hein? Ah, au niveau de l'épaule. Je crois que j'ai fait un petit mouvement là. Un vieux truc de Shaolin. C'est passé. Allez, je pète le feu derrière. Comment va ton catbot sinon? En pleine forme? Il va très bien. J'adore ce petit chou. Pour l'instant, j'ai pas eu de. Pour l'instant, j'ai pas eu de débordement. J'ai pas eu de mec qui venait, moi, j'étais. De toute façon, ça va. Bon, je sais pas si ça va durer, moi. Tang. Malheureusement, avec Mixer, hein, tu peux pas être sûr de. Tu peux pas être sûr à 100% que ça va se. Ça va s'arrêter comme ça, journalement. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fête. Piratage. Passe Francky, c'est bon. Vas-y bébé, c'est bon, bon, bon. Vas-y bébé, c'est bon. Vas-y bébé, c'est bon, bon. Britney. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Hey. C'est quoi cette arme? C'est la molette. On aurait dit une poulpe, hein. C'était quoi ce vieux monstre? On aurait dit que ça avait des tentacules, je sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Alien.
Laisse Franky, c'est bon. On se calme, c'est calme aujourd'hui. Docteur Calvino. Il n'y a pas le Dr Calvino là-dessus. Il n'y a pas le Dr Calvino. Calvino, machin, mais il est pas. Docteur Calvino, je suis quand même pas fou, je le vois pas. Marie. Machin. Alan, Harry.
Welcome, welcome, bienvenue sur Fréquence DJ VV81. La seule et l'unique en France. Mon bébé, un petit Fortnite? Non. Toi, je me sens aujourd'hui, tu vas jouer à ce jeu-là. Tu vas le finir. Ça m'étonnerait. Ah, bon jeu. Mais je connais pas. Il n'y a pas Calvinou, hein. Vous voyez, mais Calvinou, il n'y est pas. Il y a un machin, il n'y est pas. Ah, mais j'étais à Arling, moi. Lol. Eh, des promos de console, là. Tony Truant là, il a le pognon là, il peut acheter. Il y a 3 mois, j'ai 3 mois de Game Pass pour 1 euro. C'est pas cher, hein. Trouver elle est pas ça le problème. Docteur, comment s'appelle déjà Lorenzo? Lorenzo Calvino, mais il y est pas. Bon, je recommence, il y est pas. Ah si, bah non. Et où Lorenzo là? Et où Lorenzo? Là où?
besoin pour vous déplacer. Résolution du problème. Circuit. Non. C'est pas... Non, c'est pas, pas génial. Non, c'est pas... Non. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime pas du tout. De win. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout le jeu ? Non. Non. Je préférais le tuto de golf. Hein. Non, j'aime pas du tout. C'est ça que ça sert, hein, les jeux de... C'est ça que ça sert, les Game Pass. Salut, Tirataro. Bah attends, je reviens, je vais voir si j'ai du courrier et s'il y a mes piles. Mes fameuses piles que j'ai toujours parlé. Bon, je reviens. Eh, regardez, j'ai les piles. Ah, cool, la Kuma Matata. Incroyable. Ah, mais il est content, là, il est où le colis? Ah, il est content, hein. Il est content, le mec, il est content. Allez, je suis en profil, là. C'est drôle. Ah, mon salaud. Très drôle. J'aime bien ces petites enveloppes, là, sont bien. Très drôle. La part d'Amazon. C'est... Très, très drôle. Allez, vas-y, vais, montre. Montre un peu. Attends, tu permets. Tout pour toi. Hein. Tu permets, j'ouvre. Déjà. Voilà. On veut voir. Attends. Il est content. Il est content. La popote. Voilà. Les pipiles. La chargeur pour charger la batterie. Merde. Attends. Il est content, bébé. Ah bah du pétanque que j'attendais, hein. Il est content. Du pétanque que j'attendais, putain. Voilà. Faut être patient, vas-y. Ouais, patient, patient. Je devais les recevoir mercredi, je vois. Voilà, les piles. Ouais, je sais pas, vous allez voir les piles, là. Voilà. Hop. Hein. Tac. Alors les piles, ça marche comment ce machin? Alors plus et moins.
Puis c'est moi. Si ça avait bien marché, bien sûr. Attends, puis c'est moi. Voilà. Un arbre-look. Tu te recharges. Hein. Ah, c'est plus long. C'était plus. Plus gros que ça. As-tu de. As-tu con USB là? Hein? Tu con USB? Hein? Le machin? Voilà. Et attends. Tiens. Il y a le truc là. Et en fait, ça, je vais mettre ça. Attends. Je vais mettre ça. Attends, je montre ce temps. Et en fait, je vais mettre ce truc là-dedans. Hop. Aïe. Hein. Ah, hop. Ça, je vais mettre, ça, je vais recharger ça. Attends, le machin. Hop. Ça. Je vais mettre ça là-dessus. Je vais brancher ça. Hop. Là-dessus. Hein. Attends. Si ça veut bien marcher, bien sûr. Voilà. Je branche ça. Je mets sur le courant. Puis voilà. Bah, nickel. C'est quoi ça, par contre? Hop. Voilà. Comme ça, ça me fait deux piles. Comme ça, ça me fait 4 piles. Ça me fait non, ça me fait 8 piles. Bon, bah en attendant, moi je vais faire mon petit tour, hein, comme d'hab. Bon, le jeu, hein, je le mets en le jeu, hein, je le la rediffusion, je la laisse, hein, pour ceux que ça intéresse, pour voir comment il est le jeu. Moi, ça m'intéresse pas, mais bon. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont peut-être trouvé ça bien. Bon, en tout cas, ça m'intéresse pas, donc je vais installer. Hop. Et là, voilà. Bon, ben voilà. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Attends, je vais le brancher par contre, parce que... Je reviens. Voilà. Bon. Bon ben voilà. Je vais mettre. Et là. Alors. Je vais un truc vite fait. Hop. Ah ouais, tiens, j'ai vu hier sur le marché. J'ai vu ça ce matin ou hier, je sais plus. Pas ça. C'est quoi ça? J'ai vu hier ce truc de zombie là, de vampire. C'est qui parlait hier. Ouais. Zombie. Ils en parlaient hier. Stage of DC 2, est-ce qu'ils vont en faire un 2? Ah, le 1, déjà que le 1 j'ai pas aimé, alors le 2. Alors attends, j'ai vu ça quand? Je crois que j'ai vu ça hier, il me semble. Oula. Il me semble que j'ai vu ça hier, il me semble. Ah, ça, voilà. World War Z, ah, c'est ça. Ah ouais. Mais j'ai vu qu'ils en avaient fait la pub sur l'interface. Bon, ça a pas duré longtemps, mais ils ont fait la pub.
Et alors? T'aimes bien? Après, faut voir. Hein. Après, faut voir, c'est comme tout. Hein. Faut voir, après, c'est comme tout. Hein. Ça change un peu, je crois. Ouais, je l'attends. Comme je dis, faut voir. J'en ai même parlé à mon amigos tout à l'heure. Il va voir le film ce soir, lui. Ok, amigos. Celui qui vient me voir, c'est moi. Ah. Je lui ai montré le jeu et après, je lui ai dit que c'était en film aussi. Il m'a dit, ah tiens, je vais voir le film. World War Z avec Brad Pitt. Regarde là, 27 euros, Far Cry. 27 euros, Far Cry, machin. Pas si. Ouais. You done. Ouais. 27 euros, c'est intéressant. Hein. 54 euros, c'est intéressant. I'm not gonna lie. Et aussi Division 2 à 50 euros. Battez, déverrouillez, survendre le pack des skins. Machin. Ouais, c'est pas mal hein, le truc de. Pas mal Far Cry. Moi bon, je sais pas combien il fait en place, mais. Et combien en taille par contre. Et combien. Oh, oh, il fait que 20 gigantes. Bon, il prend pas beaucoup de place, machin. Ça a l'air d'être pas mal en plus. Ah, mais attends, c'est jusqu'à combien aussi. C'est jusqu'à combien le... à 10 jours. Ah, d'accord. Ça va être pas mal, ça par contre. Ça va être pas mal. Enfin, ça a l'air. Hein. Après... Lequel t'intéresse? Celui-là, Far Cry New Dawn. New Dawn. Ouais, ouais je. Et... l'ai, je l'ai fini. Ah, tu l'as fini? Ouais. T'as vraiment tout fait dessus? T'avais tout fait dessus? Ouais. Allons. Elle finit en combien de temps? Ouais, c'est assez rapide. Hein. C'est pour ça qu'il coûte pas trop cher. Rapide à quel point? Rapide à quel point? Ouais, 8 heures d'histoire, je pense. 6 heures, 8 heures. C'est tout? Je sais pas si tu peux voir mon temps de jeu dans les succès, mais... J'en ai passé du temps, j'aimais bien explorer, moi. C'est apocalyptique. C'est apocalyptique. Ça me paraît quand même bizarre que tu l'aies fini. Ça me paraît quand même bizarre que tu l'aies fini aussi vite. Mais t'avais vraiment tout fait. T'avais fait l'histoire. Vraiment tout fait. Ouais. Sur la carte, il te restait pas. C'est un peu son reproche. Sur la carte, il te restait pas bien. C'est assez vite. Comment? Sur la carte, il te restait pas. Ouais. Ah ouais. Conarium, c'est quoi ça encore? Conarium. Faudrait que je le fasse en difficile là, si je voudrais m'amuser. Et regarde, Conarium. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Sims 4, et Dio, il y a des petits trucs quand même. Hier, j'étais là. Un peu paumé dans le truc. Conarium. rien que le mot m'amuse. Conarium.
Bon. Ils font pas de remise sur. Ils font pas de remise sur le jeu de rallye qui est sorti tout récemment. Là. Ça serait trop beau. Et Harry Potter, il est à 16 €. Ah, ça m'intéresse. Non, mais je parle pas de ça, moi je parle. Non, ils font pas. 45 €. Ouais. Pouf. Ouais. Ah, par contre, la grande aventure Lego, ça, je l'avais pas pris la dernière fois parce que j'ai. La grande aventure Lego, je l'avais pas pris parce que je m'étais dit. J'avais vu des critiques sur le jeu sur internet. Et ils étaient pas tendres. Ils étaient pas tendres. Ils disaient que le jeu il suivait pas le film. C'était pas tendre quoi. Pas tendre. Pas tendre du tout. Du tout. Pas tendre. Attends, je crois que c'est 40 €. Attends, je sais plus combien c'est donc de zombies. Je crois que c'est 40 €. Ah, c'est 40 € aussi. 40 €. Bon, bah écoute, on va attendre. Enfin, moi je vais attendre pour l'instant. Je vais attendre, on verra bien. Je vais attendre. Attends, bon. Là, des Far Cry à finir. Ouais, j'ai Far Cry 5, Far Cry 4. Ah, il faut que tu fasses le 5 avant, après tu pourras faire New Dawn. Bon, parce que c'est une suite. Bah ouais. Ah. Peut-être qu'ils vont le mettre dans le Game Pass. Peut-être. Peut-être. Il y a la douille qui nous dit. Il y a la douille qui nous dit salut à toi et à moi, Damien. Ouais, salut. Bon, moi je vais vous laisser. Je vais faire mon tour, comme d'hab. Ah, il y a plein de jeux en réclame. Ah, tu vois, c'est les jeux. Tu vois, ces jeux que je te dis, c'est The Golf Club 2. Que j'avais joué ce matin. The Golf Club 2. Bon, bah tout à l'heure je vais faire un petit peu de rimouriel, hein, comme d'hab. Overwatch il est à 20 €. Hein. Comme d'hab. Ouais. Tu l'as Overwatch toi? Bon, madame, que si je pouvais. Si je voulais télécharger, ouais, je pourrais. Mais bon. Je l'aimais pas déjà à l'époque, alors c'est pas pour l'aimer maintenant. Bah moi ça va, bah la douille, moi je vais faire mon tour. Si t'as là, tu reviens. Hein, voilà, je te laisse. Je vais rater ma diffusion. Je vais rater. Allez, la douille, Damien, à une prochaine. Ouais, plus tard.